Invitée du buzz télévision du Figaro, Sophie Davant a fait quelques révélations sur son départ d'affaires conclu. Pour elle, c'est toujours très difficile et douloureux de regarder l'émission. Pendant 6 ans, Sophie Davant a présenté Affaires conclues sur France 2. Une émission à laquelle elle était particulièrement attachée. Mais pour cette nouvelle saison, Sophie Davant a passé le flambeau à Julia Vignali le 18 août dernier. Il se trouve qu'elle a accepté de travailler sur Europe 1 pour l'émission Sophie et les copains entre 16h et 18h. Si elle n'avait pas du tout envie d'arrêter la présentation d'affaires conclues, c'était compliqué d'être à la télé et à la radio à la fois. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle a récemment déclaré, ce n'était pas terrible d'envisager de faire les deux à la fois pour des histoires d'emploi du temps mais aussi par respect pour les téléspectateurs et les auditeurs. Donc France 2 m'a demandé de choisir. Les nuits blanches ont commencé. Ça a été terrible. Sophia Davant, je n'étais pas du tout lassée de présenter Affaires conclues ce vendredi 15 septembre. Sophie Davant était l'invitée de l'émission Le Buzz Télévision du Figaro et elle est revenue sur cette décision archi-difficile à prendre. Je n'étais pas du tout lassée de présenter ce programme, a-t-elle d'abord déclaré, avant de raconter sa rencontre avec Julia Vignali pour la passation de relais. J'ai trouvé qu'elle était très sympathique et qu'elle faisait preuve de sororité vis-à-vis de mon parcours et de mon ancienneté. Elle a cette volonté de ne pas établir de rivalité, a-t-elle fait savoir, avant d'ajouter que Julia Vignali était une fille solaire et souriante, qui avait tous les atouts pour réussir dans cette émission. Sophia Davant incapable de regarder Affaires conclues malgré tout, Sophie Davant a beaucoup de mal à tourner la page. L'animatrice a ainsi révélé, après, très honnêtement, regarder Affaires conclues m'est très difficile et douloureux. Comme quand cet programme s'était arrêté, j'avais du mal à regarder les émissions du matin. Je suis très affective. Sophie Davant est donc, pour le moment, incapable de regarder France 2 aux alentours de 16h. Si elle est toujours peinée de ne plus présenter Affaires conclues, elle est tout de même épanouie sur Europe 1. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.